Et salut tout le monde, c'est Snakey, j'espère que vous allez bien. Débrief de Dijon-Bordeaux. Alors là, actuellement, je ne connais pas le score parce qu'on est avant le match. Et avant une chose, j'ai envie de vous dire d'aller voir la vidéo sur la chaîne de Jordan Dutouga parce que j'ai fait une vidéo foot IRL et il fallait quand même que je montre que moi aussi je sais jouer au foot. Donc du coup, j'ai montré que... Bon allez, comme d'habitude, 16h59, je suis en retard, donc c'est parti, on y va. Dijon-Bordeaux, bon, va falloir monter très haut apparemment. 150 ans plus tard, nous montons toujours. Si j'arrive avant la fin du match, ce sera une bonne performance. Est-ce que toi, Ange, tu sens bien le match? Pas du tout. Pas du tout. Match nul. Très bien. Monsieur, est-ce que tu sens bien le match? Moyen. Moyen. Et alors vous, est-ce qu'on sent bien le match ou pas? Pas du tout. On a eu des occasions quand même, là, on est bien là. Non, c'est pas... Non, là, c'était là, on prend cher. On prend cher. C'était Carasso. Ah, c'était... Ah merde. Putain, ça... Pourtant, j'ai pas bu encore. Oh là là, oh là là, encore là. Quelle arme. Oh my god. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Bah, il va chercher sa prolongation de contrat, va se faire. Ah là, le but là. Ouais! Bon match là quand même, ça va pour l'instant. Ouais, bah après, c'est Dijon, c'est une équipe qui joue aussi. Alors, t'as des équipes comme Rennes, ils gagnent jamais leur match, c'est parce qu'ils foutent qu'ils sont 9ème, les mecs. Non, mais ça fait 19 matchs, mais ils gagnent jamais. Mais comment ils sont 9ème? C'est imagine s'il y a des mecs qui faisaient des débriefs avec Rennes, c'est très chier. On fait des débriefs, on manque d'alcool. Alors, s'il vous plaît, envoyez les caisses, au moins 2 caisses pour chaque match. Je suis supporter du Stade Rennais, s'il vous plaît. Non, ils sont 8ème avec un. Un virage de moins 12 ou moins 13. T'as vu, et t'as vu le commentateur hier, il a dit « Ah, c'est but de Salagol !» C'est comme si à l'époque tu disais « Mazou Gol !» Attention. Gotento, il est redevenu mauvais ou quoi? Oui, lui il était bon. Non, il faut qu'il se tienne encore moins. Allez, pour 4 matchs, après on s'en fout. Pour 4 matchs. Après, il peut revenir mauvais, je m'en branle. Mais c'est limite, y'a pas... Non, il prend le ballon, mais c'est limite. Il prend un bout de patte. En même temps, Luchu contre Samaritano, c'est un rocher contre un grain de sable, tu sais. Je vais serrer la main, il m'a broyé la main, le mec. Ouais, non, mais vraiment, c'est le seul qui fait. Je l'ai vu aussi, là. Il ferme comme ça. Ouais, c'est abusé. Serrer la main, Ça voulait dire bonjour en polonais, putain. comprend rien. Voilà. Ah, mais c'est Varela. Putain, c'est Varela en fait. Ouais. Oh, non, mais c'est pas une connerie, c'est vraiment Varela. Mais pourquoi il arbitre encore, lui, là? Oh, bien joué. Ah, il est fort, regarde, c'est le gardien René là. Ouais, non, Dijonais. C'est drôle comme même. Ouais, c'est bon. C'est bon. Là, c'est bon, 3 contre 2, les gars. À gauche, viens. Allez, tout seul. Ouais, mais non. Mais non. Ils sont bons, ces pieds là. Ils sont bons, ces pieds à Vada. Le mec est fétichiste. Ils sont bons, ces pieds. Miam, miam. Y'a eu gros pas content, mais t'en sais rien, mec. T'es dans ta loge, tu tripotes les pieds. On sait la mi-temps, on recharge les batteries, on y retourne, hein. Tout va là. Ah. On t'attend. Alors, je sais pas si vous avez reconnu, mais nous avons un autre débriefeur avec nous, hein. Ah, voilà. Bonjour, Omich 33. Il est là, Omich 33. Oh, mais le mec a vu Dion de Ligue des Champions, putain de merde. Mais non, mais là ça me rassure, on a retrouvé le vrai Contento. Oui. Ah non, moi ça me rassure pas, justement. On est perdu depuis 2 matchs là, ça. Pour ça l'Europe, allez, bim. En fait, Dion, il allait tellement vite qu'avec le vent il est tombé. Allez, mais non, Vladi. Mais Varela, Vladi, putain. Varela, il a penalty, en cul. Sans déconner. Déjà là, il y a la main. Il va plus vite. Ouais. Oh là là là, il y a penalty. Ah, mais il y a penalty. Y'a rien à dire. Mais comment tu peux pas siffler pénalty, espèce de grosse merde arbitre là? Ta gueule, mais le Dijonais. Mais de tout faire là. Et qu'ils arrêtent le football, ces mecs là, ils sont payés à rien faire quoi. Et pour ça, le mec il est payé à monter ses chaussettes. Ah, y'a un coréen qui. Putain, y'a Kim Jong-un qui rentre. Là, t'aurais dit après un carton rouge. Moi, je serais dans les tribunes. Moi, je serais dans les tribunes. Je serais même plus dans les tribunes. Je serais au poste de police. Lève ta balle. Lève ta balle, je te demande, juste lève ta balle. Oh, mais pas trop non plus. Mais putain, mais on tire de côté. Bravo. Mais comment ils font à l'entraînement? Ils font quoi? Ils travaillent pas, les centres. Mais il faut les travailler, les centres. Chaque fois, t'as l'impression qu'ils tirent pas, quoi. Ils enchaînent les frappes, mais faites quelque chose, bordel. Ils savent qu'ils ont plein d'occasions, quoi, mais c'est pas normal, putain. Si on se prend un but du chinois de Dijon, alors là, je fais un peu plus simple. Mais voilà la balle. Les comptes favorables à la con qu'ils ont, c'est. Putain, mais c'est des chounards, ces types là. Nyo, gagne, 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 non, non. Ouais, c'est pas faux. Oh là 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 là. Et si on gagne? Oh là là, si on gagne avec ça, mec. Je suis tellement pas. Mais est-ce qu'on peut prendre la balle si possible? Oh, allez, putain, on y va. Oh putain. Allez. Oh mes aïeux. Oh là 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 là. J'en peux plus. Oh putain. Je pense que le point du lit, je vais le prendre, hein. Je pense que... La moutarde me monte au nez. Elle dit tête de barreau. L'arme a quand même la nuit irritée. Eh mais calmez-vous les gars, c'est Dijon les gars. Ohé. Allez Jérémy, vas-y. Allez Jérémy, putain. Allez.
Allez, Varina! Dans la boîte! Mais oh, c'est de la merde, bordel! Attends, c'est de la merde! Y'a un mur composé de deux joueurs et tu tires sur les deux joueurs, t'es quand même fort, mec! Tu vois, lui, Nyong Nyong, eh ben, il tire mieux que Menez! Mais c'est quoi ça? Oh putain! C'est insupportable! En fait, t'as raté le match, hein, c'est bon, hein! Sans déconner, c'est un miracle qu'on perde pas, hein, franchement! Mais les fautes, tu les siffles quand, bordel de merde? Les cartons, tu les distribues quand? Le ballon pour toi, la frappe Pécaras! Oh là là! Alors là, l'arrêt Carasso, il est extraordinaire. Là, l'arrêt Carasso, il est extraordinaire. Mais vraiment. Mangé Carasso, enculé. Alors là, putain. 0-0, les putains. Un mot pour Monsieur Varela. Grosse p***e. Un mot pour Monsieur Varela. Je t'ai sucé pour la dernière tueur, mais là, on va bien te faire enculer. Ange, un mot pour Varela. Salope. Et du coup, ben. Putain de connard de chauve. Voilà, là, c'est bien ça. C'est l'heure, du coup, de se suicider. Parce que du coup, bon, là je pense que la chute sera fatale à mon avis. Une très belle vue de chez toi, hein, c'est magnifique. On va y aller en Europe, ne t'inquiète pas. On va y aller, mais ne t'inquiète pas. En bas. Non mais arrête, j'ai le vertige, sans déconner, j'ai le vertige. Toi t'as une chaîne YouTube, hein, c'est quoi ta chaîne YouTube? Promis 33. Voilà, bah, allez voir ces débriefs les gars. Bon, ça fait chier. Ça fait chier, ouais. Parce que là, moi j'avais dit victoire comme ça, on assure la fin de saison, tranquille, on est bien. Jusqu'au pénalty de Varela, j'étais dégoûté de pas gagner. Mais finalement, je me dis avec la fin de match, on va prendre le point, on va fermer sa gueule et puis on va. Voilà, exactement. On va rentrer à Bordeaux. On y est déjà nous du coup. Ça fait chier. Ouais. Ça fait chier, je comprends pas putain. Ça va falloir aller gagner à Saint-Étienne, à mon avis ça sera pas simple puisqu'ils peuvent encore espérer la Coupe d'Europe. Un petit mot ouais pour Varela du coup, je sais pas ce que ce mec fait encore en Ligue 1. Déjà, je sais même pas ce qu'il fait tout court dans sa profession. Ça va quoi vos caméras? Mets-toi une GoPro dans ta tête si tu veux. Je pense que ça aurait été la casette, il aurait arrêté le match, il aurait donné victoire à Lyon sur tapis vert. Hein? La police qui arrive Varela. Tiens voilà, il y a les flics qui arrivent, on va se faire arrêter. C'est Varela. C'est pas grave, on va se retrouver donc pour le prochain match Saint-Étienne-Bordeaux. Ouais. Voilà. Alors du coup, bravo à ceux qui ont pronostiqué le bon résultat. Putain, je pense qu'il... Ah t'as dit toi quoi, t'as dit quoi? Ah mais attends, moi je parle du score. Gwenaël 47. Bravo Gwenaël 47. Elle a pronostiqué, alors je pense que c'est un garçon. Ouais parce qu'il n'y a pas deux LE. Ok. Je pense que j'ai vexé. Donc ouais. Parce que je sais pas, parce que Gwenaël ça peut être aussi, j'ai vu des Monsieur, ouais, madame, bravo. Bon bah, en tout cas, bravo Gwenaël 47. 0-0 match nul et ennuyant. XCRM Alex. 0-0 match, ouais. Alors toi, à mon avis, t'as gagné, je pense. Parce que ennuyant, c'est. Alors le toi t'étais très bon, t'as même dit que le match allait être ennuyant. Je sais pas, mais bravo. À la prochaine saison des débriefs, il y aura des cadeaux. Donc bravo à ces deux personnes d'avoir trouvé le bon résultat. Et nous, on se retrouve donc très bientôt pour Saint-Étienne-Bordeaux et surtout pour Bordeaux-Marseille. J'espère que vous avez pris vos places. Je veux que le stade soit complet. Vous venez tous. Vous venez tous. C'est un match de saison. Vous venez tous. Merci à toi de m'avoir reçu. Hein. Voilà, allez sur son compte Twitter. Hein. T'as beaucoup d'abonnés sur Twitter. Hein. Ouais, c'est pour te faire de la pub. J'ai un petit peu peur quand même là. Et bravo, merci à toi, Romich, pour ta présence aussi. C'était cool. On est presque là. Mais on sera là pour l'Europa League. Voilà. On sera là. Allez, ciao, bisous et prenez soin de vous. Allez, ciao. Allez, Bordeaux. Et allez, Bordeaux. Ah.